Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des petites lingettes en coton avec la Centro. Vous allez devoir utiliser le format panel, puis une laine standard de coton, donc une laine qui est à peu près 4 plis, qu'on utilise peut-être avec des 4 mm, des broches 4 mm. Une fois dépliée, c'est ce que ça donne. J'ai fait une finition aussi avec des broches. Je vais vous montrer aussi. Donc, c'est un beau format. Il va falloir pas oublier de bloquer aussi le tricot à la fin. Donc, je vous montre toutes les étapes rapidement. On va monter ici. On va commencer à 10, numéro 10. Puis, on va monter 30 mailles. Ça veut dire qu'on va se rendre à 40. On va travailler en aller-retour. Comme on peut voir, je me suis mis sur le numéro 10. Donc, on va ajouter 30 mailles. Ça veut dire qu'on va se rendre à 40. Et la machine a 48 mailles. Fait que ça va nous laisser un jeu des deux côtés si jamais on veut faire autre chose. Pour commencer, on va garder un embout de fil au moins 1 mètre, 1,5 mètre qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, je montre rapidement. On va faire une à l'endroit ici, en dessous, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, jusqu'à temps qu'on se rende à 40 mailles. Vous pouvez les compter deux par deux. Je suis rendue à 39, donc la 40e va tenir juste pour commencer. On va mettre la laine juste ici et on va le mettre dans le premier pour la tension. Ici, on ne la tricote pas, ça vient juste tenir la maille pour qu'elle rembarque juste ici. Donc, on va y aller doucement. On va faire le tour. Pour le début, ça va bien, mais vous allez voir, plus ça va aller, il va falloir tirer le tricot. Donc, on fait ça et on est parti. Ici, encore là, c'est la dernière maille, mais on va excéder de une jusqu'à temps que ça descende, mais ça ne prenne pas la maille. On revient à l'arrière. Ça l'a donné du lousse. Hop, on va. C'est pour ça qu'il faut y aller à la main. On ne veut pas qu'elle soit prise ici. Comme ça, et on continue. On fait l'aller-retour 50 fois. Et vous allez aussi étirer votre tricot à chaque rang pour s'assurer que les mailles soient bien mises. Aussi, c'est important, j'utilise pas la drill pour celui-là parce que c'est facile de perdre les mailles avec le coton. Donc, faites très attention, faites l'aller-retour. Ça devrait prendre environ 30 minutes maximum. Ensuite, on va s'attendre à la fin pour le dernier rang, 50 rangs, pour vous montrer comment aller récupérer les mailles.